Clique, bonsoir cinéphile et cinéphile. Aujourd'hui, on va se retrouver pour vous parler de ceci. Il s'agit de 22 Miles ou 22 Miles, un film d'action, pure adrénaline, que j'ai vraiment, vraiment bien kiffé. Bon, je sais, il est sorti il y a quelques temps, mais que voulez-vous, on va vous en parler seulement aujourd'hui, parce que, voilà, on avait tellement de choses à regarder, et puis, voilà, il a fallu un peu de temps pour pouvoir le regarder. Alors, comme d'habitude, le synopsis, et puis après, on se retrouve avec la bande-annonce, et bien entendu, on va en débattre après. Un officier d'élite de renseignement américain tente d'exfiltrer un policier qui détient des informations compromettantes. Ils vont être traqués par une armée d'assassins tout au long des 20 miles, donc ça veut dire 22 miles, ce qui équivaut à plus ou moins, vous faites 1 mile, c'est 1 km 600, quelque chose comme ça, hein. Donc vous faites l'addition en vitesse, ben 6, ben c'est 16, 32 km, j'aurais pu demander au slasher, il est très doué pour ça, hein. 34, ça lui fait plus ou moins du 35 km 400, les sépare de l'avion qui leur permettra de quitter le pays. Eh bien nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir si l'avion est très loin de nous. Alpha Bravo 1, on a des motos au cul, il me faut un nouveau véhicule au plus vite. Attention à gauche! C'est une opération Overwatch. Notre équipe est déterminée et engagera le combat s'il le faut. Ennemi armé, attention! Il ne s'agit pas d'une opération militaire. L'objectif est d'achever la mission à n'importe quel prix. On a besoin de vacances. Jusqu'à notre mort, on ne fera jamais rien de normal. C'est notre job qui veut ça. Je ne suis pas toi. On est pareil. En plus, regarde, on est en vacances. Je sens même le sable entre mes orteils. Monsieur, on a un intrus. Qui c'est? C'est ma source. Il fait partie des forces spéciales locales. Faut le passer au détecteur de mensonges et vérifier son identité. Quel est votre nom? Linor. Êtes-vous impliqué dans des actes d'espionnage? Oui. Je détiens la preuve que mon gouvernement projette d'attaquer les États-Unis. Vous n'imaginez pas de quoi mon gouvernement est capable. Mettez-moi dans un avion pour les États-Unis et je vous dirai ce que je sais. On y va. Vous allez vous retrouver face aux unités d'élite de ce pays. Je dois récupérer cet homme. Tout le monde entre en guerre en pensant gagner. Mais il y a toujours un perdant. Je vais vous donner un petit conseil. Vous êtes prêts? Arrêtez. On est en route! S'il rate cet avion, la mission sera un échec. S'il rate cet avion, ils sont morts. Bravo 1, vous avez de la compagnie. On n'a pas le droit à l'échec. Si on le sort d'ici, on sauve des millions de vies. Envoyez la main de Dieu. Accordé. J'espère que cette bande-annonce vous aura plu. Franchement, film super d'action. Le slasher avait été le voir au cinéma, il me l'avait conseillé. Moi, j'avais pas eu le temps d'aller le voir. Et franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir regardé ce film. Donc, qu'est-ce que je peux en dire de ce film 20 Miles, 22 Miles ou Miles 22? Eh ben, un très bon film, mi-action, mi-thriller, simple mais efficace. Si vous aimez le genre, vous aimeriez ce film. Réalisation, casting, scénario, ambiance, tout est correct. Et pour les fans de Mark Wahlberg, il fait une nouvelle fois bien le job.
Je recommande, on recommande à voir et même à acheter ce film. Alors, en piste audio, on a de l'anglais DTS HD 5.1 et du français DTS HD 5.1 et aussi du 7.1. Sous-titre du français et la note que j'ai donnée, d'abord 9 sur 10. La réalisation est de Peter Berg. Histoire originale est de Graham Rowland et de Lea Carpenter. Le scénario de Lea Carpenter, produit par Peter Berg, Mark Wahlberg et Stephen Levinson. Avec bien entendu Mark Wahlberg qu'on a eu l'occasion de voir dans beaucoup beaucoup de films, aussi bien dans la comédie. Là, il y a une nouvelle comédie qui va bientôt arriver. C'est Parents, Apprentis Parents ou quelque chose comme ça qui doit arriver. Une comédie. Mark Wahlberg s'est joué dans plusieurs genres de films. Quoique, on n'a pas encore vu Exhalé dans l'horreur. J'aimerais bien de le voir ce que ça donnerait. Lorraine Cohen, là, c'est plus facile de tuer des zombies que de tuer des humains normaux, hein. Lorraine Cohen, donc, c'est Maggie qui a quitté la série Walking Dead, mais là qu'on retrouve dans un film d'action. Voilà. Ex-Madame Glenn. Hein. Iko Uwais, John Malkovich, un acteur que j'adore. Dommage qu'on ne le voit pas plus présent que ça, John Malkovich. Mais c'est un acteur que j'apprécie très très fort. Rhoda Rosset, Terry Kinney. Et il y a aussi le frère de Mark Wahlberg, aussi un autre Wahlberg, qui est là dans le film. La musique est de Jeff Russo. La photographie est de Jacques, pardon, Jouffret. Montage de Melissa Lawson et de Lawson. Excusez-moi. Le montage est de Melissa Lawson Chung et de Colby Parker Jr. Les décors de Andrew Menzies. Les costumes, c'est de Virginia Johnson. La durée du film est de 1h34. Et dès le début du film, franchement, on est plongé dans le bain et ça ne s'arrête pas. Boum, ça monte en crescendo et c'est super, super génial. Les éditeurs, c'est Metropolitan. C'est distribué par 7-7. C'est sorti en vidéo le 2 janvier, donc voilà, on a un petit peu de retard. Je vous l'avais dit, elle est sortie en salle le 29 août 2018. Le contenu, c'est un boîtier fourreau et le bonus, il y a le making of et la bande annonce. Donc voici, hein, donc le fourreau qu'on ouvre comme ça, hein, voilà, vous savez comment fonctionne le fourreau. Je vais pas vous, hop, et voilà le fourreau, un beau petit fourreau, et bien entendu la galette où il y a bien entendu Mark Wahlberg qui est dessus. Le voici, le voilà. Donc franchement, un très très bon film d'action que je vous conseille, surtout si vous aimez Mark Wahlberg et même si vous aimez Lauren Cohen. On la voit autrement que dans Walking Dead, dans le rôle de Maggie. Voilà, donc 22 Miles, il est là et je vous le conseille. Allez, ciao les amis et à la prochaine.